Après une nuitée salvatrice, on décide de prendre les devants et de se rapprocher de notre objectif. On prend un billet sans retour pour un speedboat qui fuse jusqu'à Manaï. Bah oui. Pablo, dis-moi à quel point t'es deck que je porte rien. Eh, regardez, je porte rien, je fais des films. Et vas-y, mec. 30 kilos, là. Mec, dans deux secondes, on échange et on fait des relais, c'est bon? Non, parce que t'es faible. T'es prêt? Maintenant, vas-y. Bah, loin, comment? Hey Aurel, t'es deck que je porte rien. On laisse derrière nous les supermarchés, les blocs de béton et les bruits de circulation pour se retrouver sur une île déjà plus isolée où se trouve un village modeste et typiquement fidjien. Là, c'est-à-dire qu'on s'est engouffré dans une brèche, c'est ce que je disais tout à l'heure, qui s'est refermée derrière nous. C'est-à-dire que là, on peut plus aller sur une autre île, on est obligé de tout donner pour aller sur Navadra et Vanua Levu. Vas-y, grimpe. C'est le seul bail qu'on a. Ça, je voulais équiper mon mail. On va prendre la décision en fait d'aller à Mana, l'île de Mana, pour nous rapprocher de notre objectif qui est Vanua Levu. Une petite île bien loin dans à la 52 km de Nadi à vol d'oiseau. Ouais, exactement. Donc à vol de bateau, ça et fait un peu plus. Mana, elle se situe à peu près à 30 km de Nadi. C'est ça. Y aller, ouais, on a mis à peu près 45 minutes. J'ai pas eu trop la notion du temps parce que le voyage en bateau était assez sympa. La viande. Bon les gars, là, on est à Mana. Est-ce que je peux sauter dans l'eau? Welcome to Mana. On longe dans un dortoir assez simple qui nous convient très bien. On se rapproche bien de l'objectif, géographiquement parlant, bah on a réduit la distance de moitié, donc c'est bien, ouais. C'est un bon début. À quelques centaines de mètres de la plage, on peut voir une vague qui a l'air très confortable ici. On perd pas de temps et on improvise une sortie paddle pour aller se familiariser avec la houle locale. En vrai, il y a des gars qui sont vraiment créés comme ça. En fait, attends. On me voit en train de mater un peu. Et que ça se met partout. Ça fait mal. Bah ouais, parce que j'en ai pas au-dessus. Ah, vous voyez, t'es prêt? À la dérive en live pour vous servir. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est essayer d'aller loin là-bas. Là, je sais pas si vous voyez.
parce qu'apparemment c'est sympa. Mais vu qu'on est 4 avec un paddle et que c'est pas très stable, on a inventé un petit montage, une petite astuce. Donc là, on a Roro qui pédale. Jusque là, tout est normal. Derrière, Aurel qui crawl. C'est pas trop mal. Devant, Gast qui crawl. Et moi aussi, je suis à la pagaie comme Aurel. Enfin, aux palmes. Et je fais contrebalancer comme ça. Romain n'a qu'à pagayer dans un sens. Et moi, palmer dans l'autre. Voilà. On est très efficace. On vous dira si ça fonctionne. En attendant des nouvelles de Tevita qui doit venir sur Mana lui aussi, on prend le temps de rencontrer et connaître les Fidjiens, on se promène sur l'île vers l'école, on joue avec les gosses. La différence entre nos cultures est frappante. Les gens se contentent de peu, mais ont toujours un sourire immense et font preuve d'une hospitalité incroyable. On a hier soir rencontré un des membres du comité de décision en fait des villages qui possèdent l'île où on veut aller. Donc hier soir on s'est endormi sur ça. On s'est endormi sur le fait que ça allait prendre un peu de temps, qu'on n'allait pas arriver sur l'île tout de suite. Mais on allait sûrement aller à un mariage traditionnel fidjien avec plus de 500 personnes. Voilà, c'est le résumé de la soirée. Et là, Gast et Aurel sont en train de faire dodo parce qu'ils sont fatigués. Bonne nuit. Ce matin, on s'est levé avec Gast très tôt parce qu'on se couche très tôt ici. Du coup, on se lève très tôt. Ah ouais, non, on se couche pas tôt, c'est nous qui nous couchons tôt parce qu'on est fatigués. Ce qu'on m'a pas dit, c'est qu'il est en train de boucher tranquille. Okay, il a recadré, c'est parfait. Bien joué, mec. Parfait. Better now, better. Et non, après on s'est Boula levé. Boula Fidji. Wouah. C'est toujours en train de tuer le son, les gars. Et du coup on a fait quoi ce matin? Be quiet. On a pris des photos. Be quiet. Allez. Et oui, si. Boula. Hier on s'est couché à 20h avec Aurel. Pourquoi? Parce qu'on était KO. Chiffon carpette. Ouais. Et du coup on s'est levé tôt, on s'est fait défoncer par les moustiques. C'est que ce plan de l'humidité là, avec ce qu'on est en train de faire. Ouais. Hey, non, le vrai truc intéressant c'est qu'il y a Tevita qui est sur la même île que nous et c'est le mec qui peut nous emmener sur notre île déserte. Ouais, c'est vrai. Voilà, regardez, c'est les ça les infos à retenir. On attend Tevita en fait qui devrait pas tarder à arriver. Mais en fait notre but dans la vie de manière générale c'est attendre Tevita. Genre ça fait 3 jours on attend Tevita. Même quand on le connaissait pas, on l'attendait. On l'attendait en fait. C'est un peu le Messi. Mais le Messi qui veut qu'on fasse des trucs bizarres et qu'on se déguise en soldat. Tiens-la bien en main la machette, pas qu'elle parte sur toi. Deux. Je commence à comprendre le truc. Voilà.
pas hyper bon, mais bon. Manger Roro.